Pour commencer, crée ton pilote. Cookie, de l'âtre, escampette, fébro, Iceman. Khaled, la fusée, le Finlandais volant, concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. Merci, j'arrive pas à y croire. Il va falloir m'aider à sortir de là. Je suis fracassé.
Super, c'est tout pour le moment. Tu peux faire marche arrière et modifier tes choix si tu en as envie. Nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur « Confirmer » pour te rendre au QG de l'écurie où ton histoire en Formule 1 va commencer. Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les trois meilleurs temps. Auger, Cordil, Ayumu Iwasa. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre la course principale en intégralité.
Bonjour et bienvenue au circuit international de Bahreïn, ici à Sakhir. Sur la grille de départ, les ingénieurs font les dernières vérifications. La course devrait commencer très bientôt. Nombreuses sont les opportunités sur les 5,4 km du circuit international de Bahreïn pour ces jeunes pilotes de Formule 2. Le meilleur endroit pour les dépassements est au virage 1 et il devrait y avoir de l'action à ce niveau. Mais il y a une autre difficulté un peu plus loin, au virage 4. Avec 9 virages à droite et 6 à gauche, on risque de voir les pneus se déformer sur le plus serré des virages à gauche, le 10. Davide, vous êtes triple vainqueur ici en une semaine, il me semble. C'était en 2012. Mais comment faites-vous pour faire durer vos pneus sur un circuit pareil? Les Pirelli s'usent tellement vite. Pour être honnête, l'important dans une course, c'est de faire un bon départ pour mettre sa voiture dans les meilleures conditions. Ensuite, il faut économiser les pneus pour essayer de les faire durer jusqu'au bout. Facile à dire, mais pas à faire.
Ok, c'est pas grave. Tant pis pour les dégâts. J'ai plusieurs stratégies à te proposer. Tu les verras sur ton AMF. Compris, bien sûr. Jolie manœuvre, bien joué.
pneus ont l'air en bon état. Thank you.
fracasser. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. C'est ainsi que se termine cette course sensationnelle. Selon vous, Davide, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Eh bien, je suis un peu déstabilisé par ce à quoi nous venons d'assister, mais une chose est sûre, notre gagnant du jour a prouvé qu'il n'avait pas peur de se battre sur le circuit. Et on ne peut pas lui en vouloir. Je ne crois pas avoir déjà vu quelqu'un remonter aussi vite ses concurrents. La course d'aujourd'hui était grandiose, et en jugé par les réactions du public, les fans aussi ont apprécié. Voici les trois pilotes qui approchent du podium après une course palpitante. Ça y est, la tension est retombée, et il est temps à présent de savourer cette belle victoire. Un grand bravo à nos trois vainqueurs du jour. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Le Finlandais volant prend la tête du championnat des pilotes. Davide Valsecki, dans la catégorie pilote du jour, pour qui votez-vous ? Pour moi, c'est le Finlandais volant. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère.
Bienvenue à Sakhir, sur le circuit international de Bahreïn, où la grille se met en place pour la course du jour. Bahreïn, ce sont 5,4 km de piste, de nombreuses occasions de dépassement, avec 15 virages. Ce circuit a la réputation d'être très exigeant pour les pneus arrière. Alors il va être intéressant de voir comment nos jeunes pilotes gèrent leur gomme. C'est peut-être la stratégie qui va déterminer qui va gagner cette course. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Dennis Hauger partira en pole position, aux côtés d'Amaury Cordil. En ce qui concerne le reste de la grille, Iwasa, Vips, Jehan Daruvala, Fittipaldi, Pourcher, Verschoor, Sato, Felipe Drugovic, Lawson, Novalak, Marcus Armstrong, Holly Caldwell, Sargent, Duan, Boschung, Callan Williams, Calderon, Nissany, Vesti et le Finlandais volant. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Ici Alex Jacques, depuis la cabine des commentaires, et j'ai le plaisir de recevoir avec moi le champion de GP2 2012, le grand Davide Valsecchi. Davide, que se passe-t-il dans la tête des pilotes en piste? Ces pilotes ont le même rêve, Alex. Celui de se faire remarquer sur le circuit pour grimper en Formule 1. C'est l'objectif ultime. Mais avant d'y parvenir, il va falloir remporter ce championnat. Les monoplaces sont identiques et personne n'a d'avantage technologique ici. Ce qui compte, c'est le talent à l'état pur. L'objectif, c'est de tout donner à chaque virage au risque de pousser un peu trop ses pneus. On a fini dans les points la dernière course. Il faut continuer sur notre lancée. À présent se concentrer sur le reste de la course. Bien, beau travail.
approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Amaury est devant toi. Écart avec la voiture qui te précède. 1,6 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis deux tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Dernier tour à donner. 1 minute 49,3. Tu gagnes environ 9 dixièmes au tour. Ne lâche rien. Tu rentres dans ce tour. Dans les stands. Les mécaniciens sont sortis du garage et sont prêts à délivrer l'arrêt le plus rapide possible.
C'est un arrêt correct. L'écurie va vouloir rapidement rejoindre l'action de ce Grand Prix et espérera certainement ne pas avoir perdu trop de temps avec cet arrêt. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Drapeau jaune. Amaury est au stand. Amaury au stand. Tu précèdes la voiture de derrière de 11,6 secondes.
est dans les 10 premiers. Voici l'écart avec notre coéquipier. 9,3 secondes. Une très belle performance, et à l'arrivée, une victoire écrasante. D'après vous, Davide Valsecchi, comment est-il parvenu à obtenir ce résultat? C'est très simple, il a su imposer son rythme. On pourrait passer des heures à parler de stratégie de course et de gestion des pneus, de ce qui s'est passé sur le circuit, mais en définitive, ce qui a fait la différence ici, c'est qu'il a roulé plus vite que les autres. C'était du grand spectacle. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement. Mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Il a fallu travailler dur pour en arriver là. C'est donc un plaisir de les retrouver sur le podium.
Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Amaury Cordil prend la tête du championnat des pilotes. J'ai une question pour vous, Davide Valsecchi. Parmi les pilotes du jour, qui vous a le plus marqué ? Je féliciterai probablement Amaury Cordil. L'équipe a fait preuve d'une belle stratégie en l'alignant et il a su jouer sa chance à fond. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. C'est tout pour aujourd'hui. Davide et moi-même vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt.